السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم معي مجددا على قناة مو فرانسي. مرحبا بكل متابعينا الجدد الذين انضموا إلينا على قناتنا. أتمنى لكم التوفيق دائما بإذن الله في هذا الجزء الرابع من سلسلة الألف كلمة شائعة مع تركيبها في جمل. سوف نرى كلمات جد مهمة ومستخدمة بكثرة في الحديث. استعملت لكم مثالين لكل كلمة حتى تفهموا أكثر الكلمة. وأفضل شيء تقوم به بعد استماع الفيديو هو أن تركبوا أمثلة جديدة من عندكم على هذه الكلمات حتى تترسخ أكثر في أذهانكم، وحتى تستطيعوا استعمالها بعد ذلك بشكل تلقائي. إذا كنتم مستعدين أصدقائي فلنبدأ. En effet, en fait. En effet, en fait. في الواقع أو في الحقيقة لهما نفس المعنى. Elle avait raison. En effet, cette tenue te va à merveille. Elle avait raison. لديها كان لديها حق. En effet, في الواقع, cette tenue te va à merveille. هذه البدلة ناسبتك بشكل عجيب. Elle avait raison. En effet, cette tenue te va à merveille. Elle avait raison. En effet, cette tenue te va à merveille. المثال الثاني. Le temps en fait pense toute blessure. Le temps en fait pense toute blessure. الوقت في الواقع يدمد كل جرح. الوقت في الواقع يدمد كل جرح. Le temps en fait pense toute blessure. Le temps en fait pense toute blessure. نستطيع أن نبدأ ب en fait. En fait, le temps pense toute blessure. En fait, le temps pense toute blessure. في الواقع الوقت يدمد كل جرح. Tant mieux. Tant mieux. أفضل أو أفضل بكثير. On va sortir le soir. Eh bien, tant mieux. Parce que je peux à peine respirer. هل سنخرج المساء؟ إذن أفضل لأني بالكاد أستطيع أتنفس. On va sortir le soir. Eh bien, tant mieux. Parce que je peux à peine respirer. On va sortir le soir. Eh bien, tant mieux. Parce que je peux à peine respirer. Si ça te dit de m'entendre, tant mieux. Si ça te dit de m'entendre, tant mieux. إذا كنت تود أن تسمعني، هذا أفضل. Si ça te dit de m'entendre, tant mieux. Presque, presque. تقريبا. J'ai presque fini. أنهيت تقريبا. Après 8 heures de route, nous sommes presque arrivés à destination. Après 8 heures de route, nous sommes presque arrivés à destination. بعد 8 ساعات من الطريق وصلنا تقريبا إلى الوجهة. Après 8 heures de route, nous sommes presque arrivés à destination. Bien entendu. Bien entendu. بالطبع. مثلها مثل bien sûr. Rendez-vous à 19h. Bien entendu. Rendez-vous à 19h. Bien entendu. Bien entendu, je reste à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire. بالطبع سأبقى في خدمتك من أجل أي معلومة إضافية. Bien entendu, je reste à votre disposition
pour tout renseignement supplémentaire. Bien entendu, je reste à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire. À la fois, fi anin wahid. Il a apporté tous ses documents à la fois. Huwa ahdara kull wathaiqihi fi anin wahid. Il a apporté tous ses documents à la fois. Il a apporté tous ses documents à la fois. Elle fait toujours plusieurs choses à la fois. Elle fait toujours plusieurs choses à la fois. هي تفعل دائما عدة أشياء في آن واحد. Elle fait toujours plusieurs choses à la fois. En tant que, بصفة. Je sais que tu es bien sage, mais je m'inquiète pour toi en tant que maman. Je sais que tu es bien sage. أعلم أنك جد عاقل, mais je m'inquiète, لكني أقلق pour toi en tant que maman. Mais je m'inquiète pour toi en tant que maman. لكني أقلق بشأنك بصفتي أم. Je sais que tu es bien sage, mais je m'inquiète pour toi en tant que maman. En tant que médecin, je dois vous prévenir. En tant que médecin, je dois vous prévenir. بصفتي طبيب علي أن أحذرك. En tant que médecin, je dois vous prévenir. Ça m'est égal. La ahtam. Ça m'arrive tout le temps et ça m'est égal. Ça m'arrive tout le temps et ça m'est égal. Hada yahdath li kull alwaqt wa ana la ahtam. Ça m'arrive tout le temps et ça m'est égal. Je ne sais pas et ça m'est égal. Je ne sais pas et ça m'est égal. أنا لا أعلم ولا يهمني. أو لا أهتم. Tant pis. سبا أو سحقا. عندما لا تهتم بشيء. J'ai grossi, mais tant pis. Mais tant pis. لقد سمنت لكن تبا. S'il ne veut pas écouter, tant pis. C'est pas mon problème. S'il ne veut pas écouter, tant pis. C'est pas mon problème. إذا لم يكن يريد أن يسمع, تبا هذه ليست مشكلتي. S'il ne veut pas écouter, tant pis. C'est pas mon problème. Au lieu. عوضة. J'ai écouté mes amis au lieu de m'écouter. لقد سمعت أو استمعت إلى أصدقائي عوض أن أستمع إلى نفسي. J'ai écouté mes amis au lieu de m'écouter. Vous devez essayer de comprendre au lieu de juger et de critiquer. عليكم أن تحاولوا أن تفهموا عوضا عن أن تحكموا وتنتقدوا. Vous devez essayer de comprendre au lieu de juger et de critiquer. Vous devez essayer de comprendre au lieu de juger et de critiquer. عوض أن تحكموا وتنتقدوا. Du coup, لذلك. Il n'y a pas de bus ce matin, du coup,
Je suis partie à pied. Il n'y a pas de bus ce matin. Du coup, je suis partie à pied. لا توجد حافلة هذا الصباح. لذلك ذهبت مشيا. Il n'y a pas de bus ce matin. Du coup, je suis partie à pied. Je suis rentrée tard. Du coup, je ne l'ai pas vu. Je suis rentrée tard. Du coup, je ne l'ai pas vu. دخلت متأخرا لذلك لم أره. Je suis rentrée tard. Du coup, je ne l'ai pas vu. À la limite. À la limite. في حدود. Le prix de cette maison est à la limite du raisonnable. ثمن هذا المنزل في حدود المعقول. Le prix de cette maison est à la limite du raisonnable. Le prix de cette maison est à la limite du raisonnable. Je conduisais à la limite de vitesse autorisée. كنت أسوق في حدود السرعة المسموحة. Je conduisais à la limite de vitesse autorisée. Je conduisais à la limite de vitesse autorisée. À peine. À peine. Bilked. Je connais à peine cet homme. Je connais à peine cet homme. Bilkedi a'rifu hada rajul. Je me rappelle à peine ton visage. Je me rappelle à peine ton visage. Bilkedi atadakkaru wajhak. Je me rappelle à peine ton visage. Au cas où. Au cas où. Fi halat ma'ida. Fi halat ma'ida. Au cas où. Au cas où tu aurais besoin de plus d'informations, je suis à côté. Au cas où tu aurais besoin de plus d'informations, je suis à côté. Fi halat ma'ida. كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات فأنا بالجانب. Au cas où tu aurais besoin de plus d'informations, je suis à côté. Je vais prendre mon parapluie juste au cas où. Je vais prendre mon parapluie juste au cas où. سوف أخذ مظلتي في حالة مائدة يعني في حالة مائدة أمطرت هذا هو المعنى Je vais prendre mon parapluie juste au cas où vis-à-vis تجاه تعني تجاه و تعني كذلك في مواجهة المثال الأول سوف نرى المعنى بمعنى تجاه Notre responsabilité vis-à-vis nos enfants est de leur offrir une bonne éducation مسؤوليتنا تجاه أطفالنا وهي أن نوفر لهم تربية جيدة أو نمنحهم تربية جيدة Notre responsabilité vis-à-vis nos enfants est de leur offrir une bonne éducation. Notre responsabilité vis-à-vis nos enfants est de leur offrir une bonne éducation. Wa al-ma'n al-akhar fi muwajaha. Il est en vis-à-vis avec son ami. Il est en vis-à-vis avec son ami. Huwa fi muwajahatin ma'a sadiqihi. Grâce à, bifadl. Il a compris la signification du mot grâce au contexte.
Il a compris la signification du mot grâce au contexte. لقد فهم معنى الكلمة بفضل السياق. استخدمنا او قلنا grâce au لأن context هي كلمة مذكر. C'est un nom masculin. لذلك استعملنا او. Il a compris la signification du mot grâce au contexte. Ils ont amélioré la qualité des services grâce à la formation du personnel. Ils ont amélioré la qualité des services grâce à la formation du personnel. لقد حسنوا من جودة الخدمات بفضل تكوين الموظفين. الموظفين هنا هي le personnel. Ils ont amélioré la qualité des services grâce à la formation du personnel. À cause de, بسبب. Je ne peux pas dormir à cause de la chaleur. لا أستطيع النوم بسبب الحرارة. Je ne peux pas dormir à cause de la chaleur. Il a échoué à cause de son imprudence. هو رسب بسبب تهوره. Il a échoué à cause de son imprudence. Il a échoué à cause de son imprudence. À peu près. تقريبا. ونستعملها بالخصوص في الوقت نستعملها للوقت أو للقياسات à peu près تقريبا بالنسبة لبريسك التي رأينا قبل بريسك التي تعني كذلك تقريبا هذه نريد بها على ما أعتقد تقريبا على ما أعتقد إذا رجعتم للمثالين بالنسبة لبريسك ستجدون هذا المعنى على ما أعتقد. À peu près. Il est à peu près minuit. Il est à peu près minuit. إنه تقريبا منتصف الليل. Il est à peu près minuit. Je suis arrivé en ville. À peu près en même temps que le train. لقد وصلت إلى المدينة تقريبا في نفس الوقت مع القطار. تقريبا في نفس الوقت مع القطار. Je suis arrivé en ville à peu près en même temps que le train. À mon avis, في رأيي. À mon avis, voyager avec ma voiture personnelle, c'est beaucoup plus confortable. في رأيي, السفر بسيارة الخاصة هو أكثر راحة. À mon avis, voyager avec ma voiture personnelle, c'est beaucoup plus confortable. À mon avis, voyager avec ma voiture personnelle, c'est beaucoup plus confortable. Malgré, بالرغم من, malgré. Je suis sorti malgré le froid. Je suis sorti malgré le froid. لقد خرجت بالرغم من البرد. Malgré sa persévérance, il n'a pas réussi. Malgré sa persévérance, il n'a pas réussi. بالرغم من مثابرته, فإنه لم ينجح. Malgré sa persévérance, il n'a pas réussi. Quand même, à l'aïe hal. Ce film était quand même bien. Ce film était quand même bien. هذا الفيلم à l'aïe hal جيد. Ce film était quand même bien.
Il est quand même intelligent malgré son jeune âge. Il est quand même intelligent malgré son jeune âge. هو على أي حال ذكي رغم صغر سنه. Il est quand même intelligent malgré son jeune âge. Il est quand même intelligent malgré son jeune âge. وهكذا أصدقائي تكونوا قد أضفتم 20 كلمة أخرى إلى رصيدكم المعرفي. أنوي لكم الاستفادة. إذا أعجبكم الفيديو أصدقائي لا تنسوا أن تضغطوا لايك للفيديو وأن تشاركوه مع الأصدقاء. دمتم في رعاية الله.